Voici le Zoom 65 V3. Il m'a été envoyé par Coffee Keys et parmi tous les claviers de la marque Meletrix que j'ai pu essayer, je dois dire que c'est celui qui m'a le plus surpris. Il y a eu beaucoup d'efforts réalisés pour essayer de rattraper la compétition en termes d'innovation avec notamment le système de montage-démontage sans vis. Oui, merci Meletrix, merci l'innovation. Parce que le seul clavier que j'ai eu la chance d'essayer avec ce système, c'était le Neo 70 et je peux vous dire que quand on y goûte, on n'a plus envie de revenir en arrière. Alors évidemment, c'est pas le même système que le Neo 70. Lui, il utilisait des aimants. Là, c'est deux petites boules qui viennent bloquer cette partie, qui honnêtement est un petit peu plus galère parce que faut réussir à trouver les bonnes prises. Mais bon, les zooms à chaque fois, ils sont tout plats, donc c'est pas toujours évident. Ça reste quand même beaucoup plus sympa que de devoir enlever chaque vis manuellement. Et je suis content de cette amélioration par rapport aux autres claviers zoom. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est l'amour de Meletrix pour les modules, dont cet écran LCD qui est le module de base sur tous les Zoom 65 V3, mais vous pouvez en acheter d'autres séparément. Par exemple, le module pour mettre une touche classique, un knob, un badge, un deuxième badge, une autre sorte de badge. Ok, j'abuse un petit peu, c'est pas tous des badges et certains sont même RGB, mais bon, ça ressemble à des badges quand même. Après, c'est 10€ par module, donc si vous voulez pouvoir en changer de temps en temps, ça peut être intéressant. Pour ce qui est de l'écran LCD, vous pouvez théoriquement upload n'importe quelle image ou GIF et l'afficher dessus. Je dis théoriquement parce que pour le moment, ça ne marche pas sur le mien. Ensuite, c'est très probablement parce que je n'ai pas la mise à jour de l'écran. Et j'ai été voir sur le site de Wushu Studio, aucun fichier n'est encore disponible pour le Zoom 65 V3 et on ne m'en a pas donné. Ceci étant dit, j'aime bien cet écran. Je commençais à en avoir un petit peu marre de la course à la taille des écrans sur les claviers. On a voir un aussi petit, juste la taille d'une touche, bah ça fait plaisir et ça suffit pour avoir une originalité que monsieur tout le monde n'a pas sur le sien. Et justement, si vous aimez l'originalité, vous avez sûrement envie de créer des choses et ça tombe bien car le sponsor de cette vidéo, PCBWay, peut vous aider. En leur fournissant des plans, ils pourront vous fabriquer ce que vous voulez, que ce soit en plastique, en cuivre et même en titanium. Donnez vie à vos idées grâce à PCBWay. Ouais, je suis fier de celle-là. Utilisez le lien en description pour avoir une réduction et merci PCBWay. Et en parlant d'originalité, on va aborder le point le plus important ou tout du moins le plus mis en avant dans le marketing de ce nouveau clavier. Ce sont les différentes manières de monter ce Zoom 65 V3. Et quand je dis monter, attention, je ne parle plus de la caisse et de ses petites boules, mais bien de l'intérieur avec par exemple les top mount, gasket mount. Et là, je peux presque visualiser la salle de réunion chez Meletrix pendant la conception de ce clavier. Monsieur, vous avez vu ce clavier qui vient de sortir? Il a deux systèmes de montage différents, et les gens, ils ont l'air d'adorer, même s'ils vont probablement jamais changer celui de base. Et si nous, on en mettait 7? Et c'est comme ça qu'on obtient un clavier avec 7 systèmes de montage. Attention, je vais les énumérer. Top Mount, Silica Gel, Maglev, Spring, Floating, Pogo Ping, O-Ring, Leaf Spring. Je sais plus quoi faire, moi. Au moins, on est content d'avoir ces 7 systèmes de montage, non? En fait, si j'étais en sortie de boîte à 3h du mat, je vous dirais que la quantité est plus importante que la qualité. Je parle de nourriture. Mais là, dans cette situation, je suis pas convaincu. Je les ai tous essayés et c'est globalement tous les mêmes. En fait, non. Ils sont très différents dans leur façon d'amener du flex, mais dans la réalité, quand on utilise le clavier, c'est-à-dire en écrivant, pas en appuyant à fond sur les touches, je ne suis pas capable de sentir la différence quand je passe de l'un à l'autre. Alors oui, si je passe d'un extrême à l'autre, donc top mount à spring mount, oui, là, je peux sentir une différence de flex. Mais pour le reste, je n'en suis pas capable. Et des autres reviews que j'ai pu voir, je ne suis pas le seul. Et ceux qui disent sentir une différence, je pense que c'est en grande partie parce qu'ils sont focus à 100% sur le clavier à chercher la moindre différence. Sauf qu'à mes yeux, ça ne reflète pas une utilisation normale d'un clavier. Personnellement, quand je suis en train d'écrire et que je ne pense pas au système de montage et à la quantité de flex, je suis incapable de sentir une différence et je pense que c'est ça le plus important. Et malheureusement, c'est globalement pareil pour le son. En dehors de la comparaison top mount avec le reste, je ne fais pas la différence en termes de son si je ne suis pas 100% focus dessus avec mon oreille collée au clavier. Donc au final, on a 7 possibilités de montage, mais est-ce que finalement, il n'y en a pas que 2, un top mount et un flex mount. Et ça résume un petit peu l'image que j'ai du marché du custom depuis quelques mois, même si bien sûr je suis loin d'être le plus expérimenté du milieu, j'ai l'impression qu'on est dans une course à qui aura le plus d'arguments marketing
au lieu d'essayer d'avoir le meilleur clavier ou d'avoir une vraie innovation qui va améliorer significativement le hobby. Comme par exemple l'arrivée des connecteurs magnétiques, qu'on retrouve sur le Zoom 65 V3. Malheureusement pas aussi bien mis en place que le Neo 70, puisqu'on a toujours un ruban. Et c'est dommage parce que, objectivement, avoir 7 systèmes de montage différents, j'ai du mal à imaginer qui voulait de ça. Alors c'est sûr que ça fait stylé, et le FOMO va probablement gagner certaines personnes, mais je pense qu'on aurait peut-être pu utiliser toute cette recherche et développement pour essayer de trouver de vraies innovations. Après attention, tout ça n'empêche pas le fait que c'est un très bon clavier custom, et il y a même de petites attentions encore que j'apprécie. Par exemple, la possibilité de ranger le dongle USB sous le poids arrière aimanté. Je ne ferai pas de cut. Hein. C'est pas évident à enlever. Voilà, donc vous l'avez ici. Le dongle USB, merci Meletric, je demande ça sur tous les claviers à partir de depuis 6 mois. Et c'est vraiment trop, trop bien. Et je sais, ça paraît minime, mais je suis plus excité par ça que par cette méthode de montage différent. Alors après, j'ai peut-être un cerveau malade, mais moi... J'aime, par exemple, le fait que sur les petits sachets de pièces, ils ont mis des photos et des légendes pour qu'on sache ce que c'est, où ça va. Et bah, ce que je retiendrai de ce Zoom 65 V3, bah, ce sont ces petites améliorations qui, mises bout à bout, améliorent vraiment mon expérience avec le clavier. Et pour un prix qui commence à 214€, bah, j'ai quand même un 65% sans fil, compatible VIA, avec un écran, du RGB, disponible en ISO hot swap avec des stabilisateurs fournis. Ça fait plaisir, c'est un très bon clavier, pour un prix légèrement élevé, mais loin d'être démentiel. Et si jamais vous vous demandez, moi j'ai la peinture Milk Tea avec le badge en anodized rose gold et une plate en polycarbonate. Et franchement, après ma review du Zoom 98, j'étais plus trop convaincu sur les zooms, j'avais l'impression qu'il partait dans des délires, mais celui-ci est vraiment réussi. J'aimais juste quelques réserves sur les priorités de Meletric qui ont l'air pour le moment de favoriser les buzzwords et le marketing plutôt qu'une vraie envie d'innover. Je vous laisse maintenant avec le test audio, je remercie encore une fois Kofikis pour l'envoi de ce clavier. Si jamais vous voulez le précommander, allez sur leur site. Attention, le gros bail se termine le 2 juillet. Merci et à la prochaine! Je n'oublie pas le sponsor de toujours, Akko. Avec leur Switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7 en layout FRL qui est mon layout préféré aujourd'hui. Et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE avec Switch magnétique comme le Wooting 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction.